La popularité de l'émission « Chacun son refrain » dépasse nos bornes régionales. Notre invité d'aujourd'hui, qui est auteur, compositeur et interprète, nous vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh bien, accueillons ensemble Nathalie Tremblay. Eh bien. Bonjour. Bonjour. Eh bien, ça me fait plaisir de vous recevoir à « Chacun son refrain ». Alors, on va s'asseoir puis expliquer un peu parce que même si tu es du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut dire que l'émission qu'on va faire aujourd'hui va dépasser nos bornes régionales. Oui, effectivement, l'émission d'aujourd'hui va dépasser largement les frontières puisqu'elle sera vue aussi en Europe, particulièrement en France et en Belgique. Le 5 et 6 décembre prochain, je serai au Téléthon AFM et d'ailleurs, je suis marraine de la région des Ardennes. Alors, c'est une émission internationale aujourd'hui. Oui, si on veut. Alors, ici, on a un beau poster qui indique un peu là, qu'il y a une belle complicité musicale et culturelle entre la France et le Québec. Oui. En fait, c'est notre bébé, notre album, notre tout dernier album, qui va sortir le 1er novembre prochain. Alors, vous avez la primeur, vous êtes les premiers à entendre parler de notre album « De mon Paris à Montréal ». Et on en est très fiers. Alors, c'est justement « De mon Paris à Montréal », justement le jeu de mots qui est très, très bien. Oui. Et puis, ça va être international, mais surtout... dans l'émission aujourd'hui et aussi dans l'invitation que vous avez pour l'Europe, vous n'êtes pas seule. Non, je ne suis pas seule. Il y a mon époux, Danny Lalancette, qui m'accompagne et qui chante en duo avec moi. Ben, pourquoi qu'on n'irait pas l'accueillir? Ben oui, avec plaisir. Alors, bonjour, Danny. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux. Et puis, ben, comme le temps est toujours limité, une heure c'est vite passé, en votre, surtout en bonne compagnie comme ça. Ben, moi, je laisse le plateau tout de suite. On a hâte d'entendre vos chansons, vos interprétations. Ben, merci. Merci. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. On va débuter avec la pièce éponyme de Mon Paris à Montréal. La pièce qui est sur le poster. Exactement. Puis probablement sur votre album aussi. C'est ça. C'est vraiment la pièce thème, notre pièce éponyme. Eh bien, on vous écoute. Merci. Sur les bords de la Seine, de saison en saison, mon rêve se promène plus loin que l'horizon. Il s'envole sur nuages, sur les ailes du vent, et pose ses bagages au bord du De mon Paris à Montréal, un seul amour, un seul pays, un seul pays pour l'idéal de Montréal jusqu'à Paris. Si le temps prend des ailes, si l'amour est changeant,
je resterai fidèle. Et l'autre Saint-Laurent qui se diront je t'aime au cœur de l'océan. De mon Paris à Montréal, un seul amour, un seul pays, un seul pays pour l'idéal, de Montréal jusqu'à Paris. Un seul amour, un seul pays, de Montréal jusqu'à Paris. Il y a 6 ans, mon père est décédé. Après son décès, j'ai composé une pièce pour lui rendre hommage. J'ai eu des regrets de ne pas l'avoir fait de son vivant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma mère avec moi, donc je lui dédie une pièce sur mon album « Chère maman ».
C'est une pièce qui me tient à cœur, puisque je suis grand-tante depuis peu et j'ai fait une pièce pour Brianna. Pleine de douceur, tu nous remplis de bonheur. Tes yeux pleins de lumière ensoleillent notre univers. Petite princesse qui s'éveille, Brianna. Quand on est seul avec la solitude. Chagrin de rester seul, c'est de penser à la tendresse, à son amour sans un accueil, c'est de penser à ce qu'on aime, toujours absent et loin d'ici.
la solitude et les fidèles. Bien plus fidèles que l'amour, à demeurer toujours près d'elle. On est moins seul au jour le jour. On s'habitue à sa présence et l'on finit par l'épouser. Nous lui faisons des confidences car elle est seule à nous aimer. Il reste encore le souvenir. On se souvient par habitude de nos espoirs sans avenir. En attendant que tout s'achève, nous révisons notre passé. Nous émettons beaucoup de rêves pour embellir la vérité. Je me souviens du jour où je t'ai rencontré. Je suis tombée en amour dès que tu m'as parlé. C'est comme si je savais que c'était toi que mon cœur attendait au plus profond de moi. Dès le premier regard, tu as conquis mon cœur. Dans tes yeux, j'ai pu voir la lueur du bonheur. Je me laissais bercer par le son de ta voix. Jamais je n'oublierai cet instant-là. Dans tes yeux, tous les jours, je vois briller l'amour. Je suis bien près de toi, et tu es tout pour moi. Je veux vivre avec toi le reste de ma vie, blotti entre tes bras, bien. Notre amour est si grand, notre amour est si fort, qu'il survivra autant comme une œuvre d'art. Nous saurons traverser les épreuves de la vie sans se décourager et en restant unis. Je t'ai donné mon cœur,
Je t'ai donné ma vie. Tu me comptes de bonheur. Chaque jour, chaque nuit, je suis lui que tous les deux. On s'aimera toujours et qu'on sera heureux jusqu'à la fin des jours. Dans tes yeux, tous les jours, je vois briller l'amour. Je suis bien près de toi et tu es tout pour moi. Je veux blotti entre tes bras, rien que toi et moi. Dans tes yeux, tous les jours, je vois briller l'amour. Je suis bien près de toi et tu es tout pour moi. Je veux vivre avec toi le reste. Blotti entre tes bras, rien que toi et moi. Et Nathalie et Danny, ça me fait rebonjour. Et puis, ben, ça me fait plaisir d'abord de vous avoir à ma table. Et puis, surtout, le plaisir a été pour nous de vous écouter dans une première partie. Bien, c'est un plaisir également pour nous d'avoir la chance de passer à votre émission. Puis, on aime beaucoup votre émission, soit dit en passant. Partir du lac Saint-Jean pour venir faire une émission ici, bien, vous êtes aussi connu dans votre région, puis reconnu aussi. Je sais bien que c'est un peu la province de Québec. C'est grand, alors il faut se faire connaître un peu partout. Moi, je suis content de vous faire connaître dans notre région ici. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est très heureux aussi parce que c'est une région qu'on affectionne beaucoup. J'ai un frère qui habite à Joliette, donc on vient de temps en temps. Et Dany et moi, on a adopté des enfants différents. Donc, on vient de temps en temps au Cap-Papillon à Saint-Alphonse de Rodriguez. Alors, vous avez une famille élargie, on peut dire, oui. Oui, oui. Combien d'enfants en tout? En fait, nous avons 5 enfants. 5? Oui. Alors, ça, c'est... Oui, c'est une grande famille aujourd'hui. Oui, c'est une grande famille. Maintenant, il y en a qui sont grandis et qui volent de leurs propres ailes, mais il nous en reste 3 à la maison. Puis vous faites partie aussi d'une famille dans la musique. Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille musicale. Étant jeune, ma sœur aînée prenait des cours de piano, donc j'ai trempé très, très jeune dans le domaine musical. Ma mère a toujours son piano chez elle. Ma mère, elle chante. J'ai vraiment eu la chance d'être dans le domaine. Et lorsque j'ai rencontré mon époux, ben, mon époux avec la voix qu'il a, ben, c'est ça qui m'a fait craquer. Il n'y a pas juste ça qui m'a fait craquer en lui. Mais en plus de se marier ensemble, ben, on a décidé de marier nos voix. Et depuis presque 15 ans, on chante ensemble. Ça fait un bon duo. Et moi, je suis content pour une chose aussi, là. Quand on regarde votre affiche, d'abord, c'est une très, très belle affiche. On va aller la chercher et la montrer, là, parce que c'est très, très bien pensé lorsqu'on l'examine. On peut l'expliquer un peu. On va essayer d'enlever les reflets, là, puis bon. Bien. Vous avez de Mont-Paris, avec la Tour Eiffel, à Montréal, avec la Croix de Mont-Royal. Alors ça, c'est... Parce que c'est justement, là, vous préparez une tournée en Europe. Ben, mais oui. Avant de parler de la tournée en Europe, moi, j'aimerais ça qu'on... Il y a une chose ici dans le bas, là, c'est marqué lancement officiel aux Galeries Lac-Saint-Jean le 1er novembre. Alors là, aujourd'hui, on offre une primeur à nos téléspectateurs oui. parce qu'on va
présenter vos chansons avant même la sortie officielle du disque. Oui, oui, avant même la sortie officielle du disque. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous les présenter. Vous êtes les premiers à les entendre. Et ben, ça fait plaisir. Puis c'est toujours à deux, comme vous faites sur l'enregistrement, le disque aussi. C'est le, oui. C'est à peu près toutes les mêmes chansons qu'on va pouvoir écouter, oui, sur le disque. Exactement. Sauf qu'il y a quelques pièces qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais c'est un album 15 titres. Et j'aimerais prendre le temps de remercier quelques collaborateurs de la France qui sont très, très précieux pour nous. Monsieur Édouard Buza, qui est auteur, compositeur, interprète. Monsieur Buza a signé une dizaine de chansons sur notre album. Donc, c'est pas rien. Il y a monsieur aussi Jacques Moncy-Printemps, qui a écrit plusieurs textes sur notre album. Il y a monsieur Claude Gérard, qui est un parolier ici de Montréal. Il y a madame Joëlle Bizier, qui nous a fait un cadeau d'une pièce, Notre amour. Il y a aussi M. Robert Leroux qui nous a fait un cadeau d'une très belle pièce qui s'appelle « Tout comme un ange ». Nous ne l'avons pas, nous n'allons pas l'interpréter aujourd'hui parce qu'il faut choisir dans nos pièces. Mais je veux remercier aussi M. Robert Leroux qui nous a fait cette pièce-là. Et aussi M. Jean Tazalour et... dans le fond, c'est pas mal. M. Marc Deschaines du studio Pulsar, qui sans lui, notre album n'aurait pas le son qu'il a actuellement. Dans tous les Français que vous avez nommés, naturellement, vous vous préparez là, pour aller les voir, oui, là-bas, en France. Oui, exactement. Avec le Téléthon AFM, qui est vraiment un gros événement. Nous allons, c'est ça, j'ai l'honneur d'être marraine au Téléthon. Donc... on va rencontrer là-bas des familles qui ont des enfants malades. On va rencontrer là-bas aussi plusieurs artistes. On va faire des entrevues dans différentes radios. Et moi, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, j'anime une émission sur la radio CKJ. L'émission que j'anime s'appelle « La vie d'artiste ». Et j'invite à chaque semaine un artiste. Et là, je fais une émission avec... 12 à 15 titres, avec souvent une entrevue téléphonique. Et depuis quelques semaines, mon émission a la chance d'être rediffusée sur Guémozo, qui est une radio dans les Hautes-Vosges. Et c'est grâce à M. Gilles Mougel qui est là-bas. Et naturellement, vous allez vous servir de votre enregistrement d'aujourd'hui, oui, pour la vidéo. Oui, oui, oui. Alors, nos émissions vont être, notre émission d'aujourd'hui va être écoutée en France. Oui. Et elle est très attendue, croyez-moi. Ça veut dire qu'ils sont déjà au courant, ils l'attendent. Oui, ils sont déjà au courant et ils l'attendent avec impatience. Les merveilles de l'Internet. Oui, les merveilles de l'Internet. Et d'ailleurs, j'ai une pièce sur l'album que j'ai enregistrée, un duo que j'avais écrit et que j'ai fait avec M. Buza. Et les merveilles technologiques, c'est que via les studios en France et ici avec M. Marc Duchesne du studio Pulsar, ben, on a pu se faire envoyer le matériel de la France et mixer. Alors, pour être capable de faire un duo comme si nous étions ensemble, mais je n'ai pas encore rencontré M. Buza. Et quel effet que ça donne là, de dire d'aller jusqu'en Europe pour... donner l'expression de nos chansons? Ah, ça me fait un grand plaisir pour moi et ma conjointe d'aller en Europe pour chanter toutes les chansons qui nous ont été présentées. Puis c'est merveilleux. J'aime bien l'Europe. Là. Vous avez la France, puis vous avez aussi quelque chose en Belgique aussi. Oui, le soir de notre arrivée, on va avoir une entrevue radiophonique en Belgique. Et c'est curieux à dire que les artistes québécois sont souvent plus reconnus en Europe qu'au Québec. Oui, et je crois que c'est parce que notre accent, c'est sûr que notre accent, les Français en général ou les Européens sont friands de notre accent. Aussi, nos deux cultures se complètent. C'est vraiment une belle complicité culturelle qu'on peut faire, un bel échange.
Puis, qu'est-ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a beaucoup plus de francophones qu'ici. Donc, pour ça, il y a beaucoup plus une ouverture par rapport aux chansons francophones. Et ceux qui aimeraient se procurer votre album qui va sortir, parce qu'il n'est pas sorti encore, mais vous allez avoir une bonne idée des chansons qui vont être dessus, puisque c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oui. Alors, quelle démarche qu'ils ont à faire? Oui, alors il suffit de nous téléphoner au 418-769-0100 ou sur le cellulaire au 418-482-3451. Et ça va nous faire un plaisir de l'expédier aux personnes qui le désirent. Et ceux qui veulent avoir aussi, se procurer par MP3, ça sera possible aussi. Bien, ça me fait énormément plaisir. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'écouter votre deuxième partie. Alors, avec plaisir. On se met en place, puis ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir. Bien, merci. Et nous, ça nous a fait plaisir de faire le voyage. Sans la musique, c'est ma vie. Elle me le rend bien, c'est mon ami pour la vie. Je suis un ange sur mon nuage. J'ai cette chance que je partage. Un peu de rêve, un peu de rêve.
étoile de ma vie, paroles et musique de Édouard Buzat de la France. L'amour parfois s'éloigne un peu de nous. Pourtant je t'aime comme au premier jour. C'est dans tes yeux que je vois la lumière qui guide mes pas. Je viens vers toi comme autrefois. Je voudrais revoir briller le soleil comme le jour où je t'ai dit je t'aime. Voir sur ton doux visage cette étincelle qui ranime ma flamme. Je voudrais revoir en nous l'arc-en-ciel qui nous emportera au septième ciel. Tu es l'étoile de ma vie et moi je t'aime. Mais quand ils se retrouvent, c'est merveilleux. Auprès de toi, je me sens éternel. Tu es en moi, je suis en toi, comme autrefois. Je voudrais revoir briller le soleil, comme le jour où je t'ai dit je t'aime. Vois sur ton doux visage cette étincelle qui ranime ma flamme. Je voudrais revoir en nous l'arc-en-ciel qui nous emportera au septième ciel. Tu es l'étoile de ma vie et moi je t'aime. Je voudrais revoir briller le soleil comme le jour où je t'ai dit je t'aime. Voir sur ton doux visage cette étincelle qui ranime ma flamme. Je voudrais revoir en nous l'arc-en-ciel qui nous emportera au septième ciel. Tu es l'étoile de ma vie et moi je t'aime. Tu es l'étoile de mes nuits et moi je t'aime. Quand on est deux, une pièce de Nicole Martin et de Jimmy Bone qu'on reprend sur notre album. Quand on est deux et qu'on s'aime, le bonheur est facile. Il suffit de presque rien parfois. Et nos cœurs chantent de joie. Quand on est deux et qu'on s'aime, plus rien n'est impossible. Le monde entier est entre nos mains, car l'amour nous appartient. Toi et moi, on est heureux, parce que je t'aime et que tu m'aimes. Comme qu'on s'aime, la vie est comme un rêve, car l'amour
est un conte de fées qui devient réalité. Et nos matins sont plus joyeux parce que je t'aime. Chaque jour, le ciel est bleu. Quand les gens s'aiment comme nous deux. Quand on est deux et qu'on s'aime, le bonheur est facile. Il suffit de presque rien parfois. Et nos cœurs chantent de joie. Quand on est deux et qu'on s'aime, plus rien n'est impossible. Le monde entier est entre nos mains, car l'amour nous appartient. J'ai cru mourir quand je l'ai vu entre tes bras. Ça m'a fait mal et j'ai pleuré pendant des nuits. J'étais fidèle et je pensais que toi aussi. Je suis tout seul, je l'ai quitté, elle est partie. Je viens vers toi, je te demande et te supplie. J'aimerais bien recommencer comme autrefois. Tu sais très bien que malgré tout, je n'aime que toi. Bien souvent, il joue des tours. Retourne-toi, ferme les yeux et oublie-moi. Peut-être qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Mais malgré j'ai peur qu'ils soient tous comme toi. Garde confiance en l'avenir et à mon amour. Car moi je t'aime et maintenant c'est pour toujours. Ne joue pas avec l'amour, car bien souvent, il joue des tours. Retourne-toi, ferme les yeux et oublie-moi. Oui, je t'ai cru, tu m'as trahi. Je t'aimais, tu m'as trompé. Ne reviens plus, il est maintenant beaucoup trop tard. On ne joue avec l'amour, car bien souvent, elle joue des tours. Retourne-toi, ferme les yeux et oublie-moi. Oh, retourne-toi, ferme les yeux et oublie-moi.
Je t'écris au nom de l'amitié, une chanson de Jean Atalazalour. Je t'écris au nom de l'amitié, à toi mon hôte, mon ami, pour tous ces instants partagés, une petite part de nos vies, devant ce petit écran voyeur, ou juste pour quelques heures, parler de passion qui nous unit. Je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié, je t'écris. Au nom de l'amitié, je t'écris au nom de l'amitié, car c'est maintenant ou jamais. Demain peut-être on n'en saurait rien, mais c'est la loi du destin. Qu'importe si ce n'est que virtuel, les gens est bien essentiel. Alors ouvre vite nos corps au prochain. Je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié, je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié. Je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié, je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié, je t'écris au nom de l'amitié, car j'ai ce que quelque part tu as besoin de ton complicité. Pour engager une histoire, que tendance à vouloir y croire, s'attachant à l'importance, aux connivences, c'est une évidence. Je t'écris, je t'écris, au nom de l'amitié, je t'écris. Au nom de l'amitié, je t'écris, je t'écris. Au nom de l'amitié, je t'écris, je t'écris. Au nom de l'amitié, je t'écris. Au nom de l'amitié, je t'écris. Les paroles sont de Claude Girard, un parolier de Montréal, et la musique est de Édouard Buzat de la France. Amène-toi, je vais t'aimer avec tout ce que j'ai d'amour. Amène-toi, je vais t'aimer un peu plus chaque jour en te disant
chaque fois. Combien tu comptes pour moi? Que je ne serai rien sans toi. Depuis que tu es dans ma vie. Et si tu me laisses la chance de montrer à qui mon cœur pense, je t'assure que tu ne vas pas le regretter, parce que moi je veux simplement t'aimer. Amène-toi, je vais chanter avec la plus belle chanson d'amour. Amène-toi, je vais murmurer les plus beaux mots d'amour. Et quand je suis près de toi, je suis heureux comme un roi. Plus rien ne compte, il n'y a que toi. Je ne me lasse pas de te le dire. Et si tu me laisses la chance de montrer à qui mon cœur pense, je t'assure que tu ne vas pas le regretter, parce que moi je veux simplement t'aimer. Mon petit côté rebelle s'est assagi. Grâce à toi, l'amour de mes nuits. Tout ce que ton visage m'inspire, tes si beaux yeux et ton sourire. Et si tu me laisses la chance, moi je veux simplement t'aimer. Ma chanson, Mélodie du bonheur, paroles et musique, Édouard Buza. J'ai dans la tête cette mélodie qui me poursuit sur mon chemin. Elle est tout au long de ma vie, un peu comme un ange gardien. Sur son plus beau tapis de fleurs, moi je dédie cette mélodie à tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent seuls dans la vie et qui ne trouvent plus que la haine, pour qu'ils se tournent. Changer des lendemains, c'est la chanson mélodie du bonheur, c'est la chanson qui fait vivre.
tout là-haut près du soleil. C'est la chanson mélodie en majeur. C'est la chanson qui s'écoute en douceur et vous élève tout près des étoiles sur son plus beau tapis de fleurs. C'est la chanson mélodie du bonheur. C'est la chanson qui fait vibrer nos cœurs et vous emmène sur son arc-en-ciel. Oui, tout là près du soleil. C'est la chanson mélodie en majeur. C'est la chanson qui s'écoute en douceur et vous élève tout près des étoiles sur son plus beau tapis de fleurs. Sur son plus beau tapis de fleurs.